Donc, qu'il y a est-ce qu'a dit qui sont un drapeau qui représente un pays? Donc, il y a un drapeau qui représente premièrement fierté en pays, deuxièmement il joue un rôle, un gros rôle dans la culture, et puis troisièmement donc il représente respect et puis avant de passer de retour devant vos écrans et comme à chaque fois, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans notre studio et nous avons comme invité aujourd'hui Davidson Eid La Tortue, qui est un jeune activiste et qui a terminé ses études classiques et diplômé en vidéographie. Donc, comme vous avez pu le remarquer, nous allons apprendre plus sur notre bicolore aujourd'hui, c'est-à-dire sur notre drapeau. Nous allons prendre une courte pause et revenir avec l'invité. Deux, trois pour la pause, donc nous avons l'invité avec nous. Bonsoir Davidson. Bonsoir Mélissa. Donc Davidson, est-ce que tu peux faire une petite biographie pour notre public? Bien sûr. Donc, un plaisir d'être avec vous. Bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices, amis internautes. Donc, je suis connu sous le nom de La Tortue Eid Davidson. Je suis né à Petite Rivière de l'Artibonite. J'ai 22 ans, donc j'ai un diplôme en vidéographie, photographie, j'ai un certificat santé mentale, donc un certificat en protection de l'enfance, donc j'ai des sœurs, donc mon père est mort, donc ma mère est encore vivante, donc je pense que c'est tout. Ok, d'accord. Donc Davidson, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ton enfance a été? Donc, quand j'étais petit, donc, j'étais tellement calme, posé, et puis, pense que c'est. Okay. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est apprendre plus sur notre bicolore. Davidson, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet? Bien sûr. Merci pour cette question. C'est vraiment important, genre que l'apôtre Paul dit. Donc, peuple a péri par faute de connaissances. Donc, nous-mêmes, en tant que jeunes, nous pensons que c'est dans la façon ça nous capables d'aider la société haïtienne à évoluer. C'est pour raison ça qui fait que moi prends l'initiative. Donc, différents événements, différentes activités pour me parler. Par exemple, 18 mai, nous prenons l'initiative pour nous parler sur le fait de drapeau. 17 octobre, pour nous parler. 18 novembre, différentes activités, 7 avril, donc 1er mai, pour nous parler, parce que nous pensons que ça a utile et l'a aidé la communauté haïtienne. Okay, d'accord. Donc, Davidson, est-ce que tu as dit qui ça un drapeau représenté pour un pays? Mais avant ça, est-ce que tu as défini pour mon capsule qui ça qui un drapeau? Merci. Donc, comment? Prends une définition avant ou du oui, moins? Oui, définition avant. Ok. Un drapeau. Un drapeau, c'est un morceau de tissu que vous prenez, vous mettez ensemble. Donc, c'est même tissu ça qui représente un pays, une région, ou du moins un organisme. Parce que nous, drapeau ça, il est capable de désigner qui pays, il est capable de désigner donc, qui région, qui organisme. Donc, qu'il y a un drapeau qui est un drapeau qui représente un pays? Donc, il y a un drapeau qui représente premièrement fierté en pays. Deuxièmement, il joue un gros rôle dans la culture. Et puis, troisièmement, donc, il représente respect. Et puis, c'est ça. Donc, ça c'était pour un pays, mais qu'il y a pour la population, c'est-à-dire pour Haïtiens. Qui ça drapeau ça représente pour Haïtiens? Donc, pour Haïtiens, c'est vraiment triste, malgré la situation conjoncture du pays. Nous voyons que
haïtiens, haïtiennes, ils sont fiers parce que, ouais, fête drapeau, tu as supposé fête à Kaye, donc là, le fait cap haïtien, à tout ça, ouais, haïtien, donc pour l'initiative, ils déplacer, donc pour être capable de valoriser le drapeau, yo, parce que ils sont fiers, c'est un symbole de fierté, donc pour la culture, c'est ça que nous gagnons. Donc, monsieur, c'était que le drapeau nous a une histoire qui est très longue. Davidson, est-ce qu'on peut raconter une histoire de drapeau? Oui. Donc, nous allons regarder avec nous l'histoire de drapeau. Donc, nous allons partager avec nous différents changements, différentes modifications que le drapeau a été subi. Donc, de 1803 pour arriver dans 1887, je crois. De 1803 pour arriver de 1887, donc nous allons parler de différents changements. Donc, on regarde avec quelques changements, modifications que le drapeau a été subi. Donc, de 1803, Jean-Jacques Dessalines, qui était chef de l'armée indigène, a retiré la partie blanc qui était dans le drapeau français. Côté que il était bleu, bleu, blanc et puis il était rouge. Dessalines pour te couper fâché avec français, l'armée française là. Donc, qui ça qu'elle a fait? Il était retiré drapeau blanc et puis il collait deux morceaux tissu ça ensemble qui c'est bleu rouge, bleu à gauche, rouge à droite qui symbolisait liberté ou la mort. Donc, ça c'est le premier changement. En 1805, Dessalines te vin mette tête li empereur sous nom Jacques Ier. Donc li di li pas fonctionner avec drapeau ça parce que li va bleu et blanc française. Konya ki ça que li fait? Li di li pas utiliser couleur bleu à même. Li kembe couleur rouge là et puis li ajouter couleur noir dans drapeau. Noir là qui symbolisait liberté encore ou la mort. Tout de suite après pays a te vin divisé. Après l'an mort, Jean-Jacques Dessalines, qui était nommé tête empereur, pas oublier empereur, qui ça un empereur? Empereur, c'est un chef souverain. Mm-hmm. Ça veut dire, tout ça qu'il dit, vous supposez accepter. C'est il ça. Dit, changer couleur de la poire, vous supposez faire, parce que empereur l'a parlé. Donc, Dessalines vient mourir, et puis Alexandre Pétion vient prendre la relève. Donc, Alexandre Pétion, et puis, pays a été divisé en deux. Alexandre Pétion dans le sud, et puis Henri Christophe, lui dans le nord. Donc, M. Sayo, il y a une grosse bataille entre eux, bataille, pour venir identifier le groupe Christophe avec le groupe Pétion. Donc, Pétion prend l'initiative, dans le sud, il mettait le drapeau en bleu, bleu, avec âme de la République, qui gagne pas le ministre là-dedans. Donc, il mettait le bleu, âme de la République, là, il mettait le rouge. Drapeau Pétion, dans le sud, il vient le bleu-rouge. Et puis, il a gardé dans le nord, l'Antibonite aussi, qui c'est groupe à Christophe là. Christophe lui-même, lui mettait par là en noir et rouge. Donc, ça c'est période de 1806 pour arriver dans 1811. Et puis, de 1811 pour arriver, de 1806 pour arriver en 1811, pays a été divisé après ça. Nous venons gagner de 1820 pour arriver en 1843. Donc, nous gagnons Jean-Pierre Boyer. Jean-Pierre Boyer, comme nous connaissons déjà qui c'est pacificateur justement de la Grandance. Et puis Jean-Pierre Boyer, pas oublier, c'est sous Jean-Pierre Boyer que il a été adopté drapeau. Tout sous empereur là, drapeau que j'aime adopter. Je veux que j'aime connait drapeau ça parce que il était en guerre. Sous Jean-Pierre Boyer, il a adopté en 1820 et puis en 1843, toujours sous Jean-Pierre Boyer, il est venu officialiser drapeau, c'est-à-dire yo vinn reconnaître drapeau vinn mondialement. Tout le pays connaît drapeau ça appartient avec haïtien. Et puis ça c'est en 1843. Donc de 1843, nous va arriver dans 1849, 59, de 49 à 59 nous vinn gagner Faustin Soulouk. Faustin Soulouk les mêmes il pas fonctionné puisque le pays a été divisé. Quand il y a une république là, qui est divisée, il vient coller ensemble. Donc Faustin vient faire Haïti, vient faire un seul. Et puis, il dit qu'il pas fonctionné parce que Pétion a un drapeau pâle, Christophe a un drapeau pâle. Quand il y a
Faustin lui-même lui dit, lui choisit mettre drapeau pâle. Faustin prend drapeau en bleu rouge et puis il n'est pas utilisé arme de la République que Pétion te mettait, ni il pas utilisé ça Christophe te mettait. Ils prennent les coller ensemble. Et puis, donc ça c'est cinquième changement. Donc, et puis, Pétion fin coller, un Faustin sous le fin coller drapeau ensemble. Qu'on y a bleu à symboliser liberté, rouge là, liberté ou la mort. Et puis après ça, tant aller, tant tourner, qu'on y a nous vin gagné Papa Doc. Lè que nous gagnons Papa Doc vin, dit lui-même, il n'est pas fonctionné avec couleur de drapeau ça. Qu'on y a qui ça que Papa Doc fait? Papa Doc choisit, fait adopter une constitution. Constitution ça, c'est constitution 1964. Li bay droit pour changer de drapeau. Qu'on y a, Papa Doc fait changer de drapeau en noir et rouge que empereur Jean-Jacques Dessalines te mettait déjà, qui symbolisait liberté ou la mort. Donc, tout de suite après, Papa Doc fin aller, qu'on y a nous vin gagner petite là. Petite là retourné sous même lance, il est toujours kembe, même drapeau papa là. Constitution ça a toujours été kembe. Et puis, après chute du Valéry Rissio, père fin aller et puis fils fin aller, donc pays a vin en bouleverse. Qu'on y a vin gagner coup d'état, problème. Qu'on y a vin constitution 29 mars. 1987 là, ni choisi justement mettre l'ordre dans des ordres. Kounya constitution ça a dit la kembe même arme de la République Pétion té inventé vinavel là qui gagne palmis là dedans. Kounya li dit la kembe même couleur drapeau bleu rouge là, li mettait bleu et puis li mettait arme de la République là la donne. Donc c'est constitution ça qui vient faire nous gain drapeau ça nous nou gain aujourd'hui bien que gain pile par en pile gain des partis politiques qui t'a remé mettre drapeau en noir et rouge donc nous va t'arrêter sur ça et puis mais jusqu'à présent c'est drapeau bleu rouge là avec âme de la République là que nous gagnons donc depuis les constitutions 29 mars la fin appliquée c'est toujours même drapeau. Même drapeau. Déjà ça fait 36 l'année depuis que drapeau n'a pas jamais changé. Et que il y a des monde qui me dit qu'il a jamais changé, mais jusqu'à présent c'est lui même que nous gagnons. Donc et l'école le plus souvent ça va apprendre si bon mieux c'est par rapport au fait que Catherine Fonté coupe drapeau après ça t'est venu gain rouge avec noir et puis tu pas passer sur tout changement ça va avec nous. Il juste éduquer, il juste montrer nous ça. Donc qu'il qui sont pensé du fait que l'école de pas trop éduquer sur l'histoire drapeau. Donc, je pense que Haïti que nous besoin, hein? Premièrement, moi-même, avec mon que je parle dans l'entourage, je suis toujours conseillé. Je dis que le changement Haïti a sorti trois côtés. Premièrement, la sortie dans la famille, qui est une institution hiérarchisée. Deuxièmement, la sortie l'école, qui sont l'autre institution encore. Et puis, la sortie l'église. Donc chaque institution ça a un rôle par yo. Bon moi même l'aime dans l'école classique. Donc gagne un ensemble de vérité pas jamais konn bay. Yo toujours fort croire que drapeau a li fait à cahier. Donc mais l'histoire là que moi même dans recherche personnellement donc on vient apprendre que là drapeau a fait l'amour à petite rivière de l'Artibonite, il a fait l'amour et des sources, des informations donc qui vraiment clair que vous vraiment capable des sources qu'on capable faire confiance que drapeau a fait l'amour mais l'école pas jamais dit ça mais d'après information et le fait que livio que baitme étudie moi c'est pas haïtien qui fait ce livre ça autour donc qu'est-ce que vous pensez c'est pas ça qui fait qu'une pas trop connaître nous oui moi pense ça a eu un paquet aspect faut que les dirigeants ou du moins autorité concernée yo faut que t'as abordé question ça mais comment on connaît comment c'est changé parce que moi ouais comme une fois Odette moi c'est Odette qui t'a fait l'histoire pour tout le donc moi quoi que y a pensé sur ça pour jeune et ça t'a vraiment une bonne idée si yo t'a éduqué jeune sur l'histoire parce que ça a permis jeune compte qui est sur et puis ça permet yo rien même pays oui c'est vrai
Donc, parce que ou pas qu'à fonctionner dans un pays, avec un pays sans que ou pas valoriser le drapeau. Monsieur, si vous avez besoin de respecter un pays, ou du moins vous avez besoin de faire une demande de guerre, le premier côté pour attaquer, c'est dans le drapeau. Donc, vous prenez un drapeau américain, ou passé américain, ou passé l'en bas pied. Donc, ou tout dit que vous coupez les amitiés que vous avez gagné avec le pays. Ça. Ou tout dit que vous mandez la guerre. Et puis, ou connaît ou t'a fait action ça. Gen américain qui tellement aimer pays, qui prêt pour le sacrifier même propre tête li, pour le tuer tête li parce que li wè ou font crime. Donc et m'a rappelé nous que invité jeudi à c'est Davidson et la Tortue qui c'est un jeune activiste et jeudi à nous t'apprend apprendre plus sur bicolore noir. Donc nous allons prendre un coup de pause côté que nous allons passer quelques vidéos bien photos de ça Davidson réalisé déjà. M'a tenir tard. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Bonsoir tout le monde, non pas c'est Eid Davidson la Tortue. C'est tout un plaisir pour venir parler l'histoire drapeau. Donc depuis 18 mai arrivé sur toute planète là côté qui gagne haïtien, c'est tout un plaisir pour y flotter drapeau en l'air bleu rouge, parler de drapeau nous. Déjà ça fait 220 l'année depuis drapeau bleu rouge a existé. Venez partager avec nous sous entretien 2000 donc quelques informations sur drapeau. On garde ensemble avec moi quelques informations, changements, modifications qui gagnent sous drapeau. Donc en 1804, drapeau était bleu et rouge. Bleu à gauche, rouge à droite, qui était symbolisé liberté ou la mort. En 1805, Jean-Jacques Dessalines était choisi mettre tête li empereur sous nom Jacques Ier, il était venu faire adopter un drapeau côté que il était venu mettre noir et rouge qui était symbolisé liberté ou la mort. Tout de suite après l'an mort, Jean-Jacques Dessalines, donc pays a été pas oublié, pays a été divisé. Devine divisé en deux, côté que nous devine gagner Pétion dans le sud, Alexandre Pétion dans le sud, et puis nous devine gagner Henri Christophe dans le nord. Donc, tous les deux messieurs, chaque tabou même pour être capable de gagner drapeau par eux. Donc, Pétion devine mettre drapeau bleu-rouge dans le sud, et puis avec âme de la République là, bien entendu. Et puis Christophe, t'es venu mettre drapeau noir et rouge avec âme de la République là dans le nord. Tout de suite après le pays a fini divisé, nous venons gagner Jean-Pierre Boyer, donc qui t'est venu prendre la relève. Jean-Pierre Boyer vient quimbé en couleur drapeau en bleu et rouge. Pas bien qu'en 1820, donc drapeau a été adopté et en 1843, il était venu officialiser drapeau, c'est-à-dire il était venu reconnaître drapeau sous Jean-Pierre Boyer. Tout de suite après Faustin Souloup fin retiré âme de la République que Pétion te mette à, il vient mettre le bleu et rouge et puis il vient mettre un autre schéma là-dedans. Tant aller, tant tourner, président aller, président venir, nous venons gagner Papadoc. Papadoc, tu es venu faire adopter une constitution en 1964, côté que la constitution ça t'a pas changé drapeau que Faustin Souloup te mette à. Drapeau ça, Papadoc t'a pas le kembe, ça Dessalines te mette. Noir et rouge là, le kembe drapeau en noir et rouge, et puis il vient mettre âme de la République. Que Pétion te vient te mettre. Quand il y a sous Papadoc, il vient faire adopter la constitution 1964, il vient mettre drapeau en noir et rouge avec âme de la République. Là. Et après chute en Duvalier Ruisseau, côté que il vient faire adopter une constitution en 1964. Deux temps après la pause, donc nous souhaitons quelques vidéos et photos de ça, Davidson réalisé déjà. Donc Davidson, avant nous te composer, tu as parlé du fait que côté que souvent les dérespectent ton pays, c'est pour commencer par dérespecter le drapeau en vain.
Donc, est-ce qu'on peut expliquer, c'est-à-dire, parce que moi, le plus souvent, il y a des vidéos, on a pas côté, on a dérespecté le drapeau haïtien, et rares sont les gens qui, comme si, qui réagissent, qui montrent que ça, au fait, à pas, ils ont pas aimé. Donc, est-ce qu'on peut expliquer ça, pour ça? Donc, premier côté, c'est pour les dirigeants, qui sont capables d'accentuer, c'est sous drapeau, fait drapeau. Parce que, gendez ensemble, de, parce que haïtien, ils ont acculturé. Ils ont valeur pas, yo presque pas bay sa valeur et puis y a pas chercher valeur y a pas en faire des alliances à travers de l'autre culture. Donc imaginons longtemps nous songe mami m'a dit que les a passé depuis fait 8 heures oui, faut pour camper ou supposé camper pour saluer l'hymne national là et puis pour l'été mes policiers l'été mes professeurs différents professions que vous gagnez ou supposé faire mais qu'il y a ouais policier va saluer monde des autorités pas saluer ça va représenter rien pour lui c'est tout petit détail ça qui vient bailler Haïti ça que nous gagne aujourd'hui mais si nous accentuer sur un ensemble de valeurs donc nous penser Haïti que nous besoin n'a pas arrivé joindre sans rendre compte donc imaginons songer en février on gagne chance aller en République dominicaine donc dans toute rue on regarde ouais c'est mais d'après ça on était apprendre moi je te dis c'était fait drapeau qui t'a pas arrivé ouais toute rue honnête c'est drapeau c'est belle bagaille ouais là il valorise drapeau et on t'a regardé en coup de vidéo dominicain il connaît qui ça drapeau a représenté la Kaili et il connaît comment pour l'attaquer en l'autre pays à travers drapeau parce que nous avons un dominicain qui était un drapeau haïtien qui était passé en bas puis ça veut dire les tout montre que on pas gain valeur donc ça on pas en bas puis c'est toile c'est ensemble de bagages que on pas besoin pas bagage mais c'est ça que yo t'ai fait donc même aux États-Unis tout il pas besoin tant de faire drapeau il y a des monde qui compte juste prendre drapeau le mettre devant porte yo soit dans machine yo il y en Haïti pas même pas grand tout le monde qui fait ça et même dans l'école yo tout nous ça effectivement tant que l'on va regarder tant que match on va regarder tant que artiste nous saluer Mika Ben parce que Mika Ben fait un paquet malgré lui c'est mourir c'est valoriser drapeau en pile donc nous regarder imaginons drapeau n'est pas seulement signifie fierté n'est pas seulement c'est sorte d'identité que les représentants. Laissez un moyen pour transmettre un message. Besoin font pays faire demande de guerre, m'attaquer de la poule, transmettre message là. Là que ou gagnent autorité qui tombé ou du moins gagnent un séisme, un tremblement de terre, gagnent une catastrophe pour être capable d'indiquer. On sait nous voyons sympathie, nous faisons ensemble de bagages, nous mettons drapeau à demi-ma. Donc drapeau a son moyen pour transmettre message que en pile jeune en pile adulte vieillard que pas de connaît pas ignorance ou du moins qui pas de bail sa valeur donc si nous besoin bon Haïti en meilleur Haïti que nous t'a souhaité a vienne faire tourisme venir faut que nous commencer d'abord la caille nous commencer valoriser drapeau. Donc justement, 18 mai, et c'est fait drapeau noir. De quel genre d'activité est-ce qu'on organise dans le pays? Donc, bon, selon tout ça que je connais, il y a toujours fait marche, il y a toujours fait des fanfares qui jouer, fait danse, flotter drapeau en l'air. Donc, même les pays ont arrivé dans le dernier niveau, mais... Il y a un ensemble de bagages qui ont fait, nous ne pouvons pas dire ça. Mais bien que ça que nous attendons pour faire, ce n'est pas ça que j'aime faire vrai. Par exemple, les coups fait marche, ou font ensemble de bagages, ou pas faire une conférence. Donc, soit dans l'église catholique, ou soit un côté qui est réservé, ou inviter différents mondes qui ont capacité. Et puis, ou présenter des élèves l'école, ou soit, ou faire 18 mai ça, toute l'école est réunie, et puis, parler de drapeau. Parler d'importance, parcours, côté le sauté, qui ça qui fait nous exister. Parce que nous faisons tout le temps ça, nous ne sommes pas capables d'adopter drapeau. Qui ça qui fait nous ne sommes pas capables d'adopter. Qui ça qui fait c'est juste en 1843 et 18 mai 1803, ou regardez 1843, que nous venons
officialiser un drapeau. Et à tout ça, j'ai fait nous pour montrer comme qui importance ce drapeau a gagné. J'ai fait Jean-Pierre Boyer saluer drapeau française là avec quoi 21 coups de canon qui vraiment dit. Donc et ce drapeau noir, il y a plusieurs éléments que nous avons et qu'on devise tout qui se lit. Donc est-ce qu'on a expliqué publiquement tout ça et ça que nous avons ce drapeau? D'accord. Nous souvent, je ne sais pas si c'est pas erreur ou du moins si c'est pas négligence tout. Nous souvent confond bagaille. Tant que devise là, nous haïtiens, haïtiens prend l'union fait la force là pour devise. Et alors que l'union fait la force là, c'est une légende. Mais constitution, dans article 4, les dit nous devise là, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc si nous avons chance nous prendre 5 gouttes, bien que donc si nous prenons 5 gouttes, ou après dans 5 gouttes là, il est marqué liberté, égalité, fraternité. Donc c'est ça qui se devise là. Donc on pense ça veut dire pile en pile bagaille. Si nous mettons tête nous ensemble, d'ailleurs nous libres, c'est liberté que nous avons besoin. Donc tout haïtien net devant la loi. Égalité, c'est pas devant haïtien avec haïtien seulement, non. Devant la loi, nous tous net là, nous égal. Et puis, fraternité, il faut que nous mettions tête nous ensemble pour nous vivre en tant que frères. Donc, c'est une belle image, mais c'est nous-mêmes, donc nous pas appliquer au vœu. Et ensuite, par rapport à l'élément, donc, nous pouvons partager des trois éléments. Nous pouvons partager 13 éléments. Qui mettait ensemble, qui fait âme de la République, ça existait. Donc, premier élément, nous gagnons un pied palmiste. Deuxième bagaille, nous gagnons un petit bonnet sous pied palmiste là. Vous mettez en la tête, pied palmiste là. Et puis, troisième bagaille, nous gagnons trois drapeaux. Trois à gauche, et puis nous gagnons trois drapeaux à droite. Et puis, nous gagnons trois fusils. À gauche, tout près de drapeau, nous avons trois fusils à droite de drapeau. Après ça, nous avons un tambour. Tambour qui est utilité. C'est là que les ancêtres ont besoin de rassembler. Ils ont souvent à battre tambour pour rassembler. Nous avons deux clairons. Lui-même, c'est qui ça que c'est? C'est un instrument de musique. Par contre, nous avons une trompette. Et mais c'est des pour qu'on doit être prêt, mais il y a une petite crasse différence, mais il y a presque semblé. C'est un instrument de musique. Après ça, nous gagnons deux raches que nous mettons dans l'âme de la République. Là. Nous gagnons deux petits bâtons. Petits bâtons, ça aussi avec que nous mettons dans le canoë pour bourrer, pour capable tirer les boulettes que nous avons tirées. Après ça, nous gagnons deux lots boulettes, après qui bon. Bon drapeau, trois petits drapeaux que tu mettais à gauche, à droite, deux de boulettes. Après ça, nous avons deux chaînes. Mais deux chaînes, ça, vous mettez deux en les têtes, vous cassez. Gauche, droite. Nous avons, vous mettez deux chaînes, une à gauche, une à droite, mais vous cassez. Mais chaînes, ça, vous voulez dire en pile bagaille. Ça veut dire, chaînes, ça, vous voulez dire que vous êtes libre. Après ça, nous avons deux ancres. Ancres, ça, je ne sais pas si vous avez des bagailles qui sont dans le bateau. Yo. C'est en ça que on mettait les bateaux arrivés pour camper. Pas oublier nous j'en ai pile attaque sous l'an, mais c'est à travers en ça pour montrer que nous gain liberté dans tout sens. Yo te mettre attaquer nous sous l'an, mais quelle que soit façon on est capable bataille contre eux. Après ça pour nous finir, nous gagnons en bas net, nous gagnons légende l'union fait la force là. Ça veut dire dans drapeau qui joue un gros rôle, qui s'est fierté, vous mettez l'union, fait la force, ça veut dire si nous unissons. Plus gros force qui existait, c'est unité. Depuis nous unissons, nous mettons tête ensemble, bah, c'est nous capables de faire en pile belle bagaille. Donc nous arrivons à la fin de l'émission jeudi, à côté que invité à c'est Davidson Lato du EID. Donc je vous ai parlé de drapeau noir et moi c'était que nous apprenons en pile bagaille jeudi.
M'a dit nous pour ne pas oublier abonner à chaîne et pour suivre nous sur nous apprendre plus. Et Davidson, c'était mon dernier mot, t'as dit que ça t'a plu. Donc m'a dit c'est pas 18 mai seulement pour nous valoriser drapeau nous, pour nous en faire deux trois marches, flotter drapeau en l'air. Ouais, tout depuis le 18 mai, ouais, dans toute la lunette c'est drapeau, mais il n'est pas qu'à comme ça. Mais m'a souhaité de janvier jusqu'à décembre pour nous valoriser drapeau nous, pour nous faire toute année. Hein. Déjà, m'a continué de dire nous bonne fête drapeau. Donc n'a rencontré pour une prochaine vidéo. Donc, depuis que nous faisons l'émission Davidson, nous toujours un truc que nous faisons, côté que nous trinquons et nous disons à plus. À plus.